Je te donne 5 secondes pour reproduire le son d'un poisson. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le jeu I Am Fish. On va incarner un poisson. Il est là, il est trop mignon. Son but à ce petit poisson, c'est de retrouver son pays natal. Car il est enfermé dans un aquarium, un peu comme Nemo. Et son but, c'est d'en sortir et de retrouver l'océan. I have a treat for you all. Enjoy. Oh, nice! Mais on a l'air d'être joué dans cet aquarium, les amis. Ah, bété! Lui, c'est un poisson volant. Un poisson volant? Il y a une sorte de piranha. Oh, t'as vu le bruit qu'il a fait? Bouille, bouille, bouille! Well, this is the last of it, so you all better enjoy it. Oh non, on en a plus après. Alright! Faut que je me dépêche de récupérer la boubouffe. Allez, mange! Nice! Alors, les amis, notre petit poisson, on va l'appeler Timmy. Voilà, Timmy, T-I-2-M-Y. C'est notre petit poisson d'amour que j'aime tant très fort. Là, j'ai l'impression que je suis dans mon bel aquarium. Et là, il y a mes poteaux. Eh, les poteaux, ça va? Eh, ouais, ça va, frérot? Voilà, il faut que je mange ça aussi. Hop là, j'ai mangé. Ah, il est tout heureux, frère. Là, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, les amis. On est parti pour un nouveau let's play sur la chaîne. On avait fait le let's play Hello Neighbor, la partie 1 et la partie 2. L'acte 3, les amis, est impossible, ok? C'est pour ça qu'elle sort pas. J'arrive pas à terminer le jeu. Mais j'ai voulu relancer un nouveau let's play sur ce jeu-là. On va voir s'il est bien. Oh, on a un poteau, il est parti. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est dans un magasin animalier. Il y avait marqué Pet Shop au début. Et en fait, j'ai l'impression que ces poteaux ont été capturés pour être vendus par la suite. Là, je me retrouve tout seul dans mon aquarium. Qu'est-ce qui se passe? Fuck it. Oh. Là, je suis au niveau 1, là. Allez, on est parti pour vaincre ce niveau 1. What? Où est-ce que je suis? Elle m'a mis dans une bouboule. Mais, Timmy! Il pense à ses poteaux. T'inquiète pas, Timmy, on va trouver une solution, d'accord? Tu vas t'en sortir. On va repartir dehors, toi et moi, d'accord? Dédicace à Nemo. On va faire comme Nemo, frérot, ok? Alors, le problème, c'est qu'on est dans une bouboule qui est en verre. Si on tombe, on peut mourir. Là, en bas, on voit notre aquarium. Et c'est vraiment un magasin Pet Shop. Faut vite que je m'enfuis avant que ma maîtresse revienne. Ah, ça fonctionne! Je peux faire bouger ma bouboule! Et l'océan est juste là-bas, on va y arriver! C'est le mec qui... Hey, moi, les aventures, ok? J'y vais à 2000%, d'accord? Ouh là là, il faut pas que je tombe. Tout va bien se passer. Ouais, c'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est ce que je dois récolter, récupérer. On a un poteau là en face aussi qui est dans une bouboule. Hé, mon gars! Il a l'air d'être un peu con. Ok, tout va bien. Mais moi, je sais plus comment ça s'était passé. Il était pas passé par les toilettes. Oh! La boule là-bas, elle s'est pas pétée, mec. Peut-être parce que je peux passer ici et je vais pas mourir. Ok, alors peut-être parce que ça, il y a un tapis. C'est pour ça que ça s'est pas pété. Oh, j'ai vu un poteau là-bas, j'ai envie d'aller le récupérer, le poteau. Et poteau, mec! Viens, mec, la sortie, elle est là-bas. Ok. C'est pas grave. Il est con. La porte est là-bas. Putain, après, on va être dans la rue, ça va être un spell. Ah ouais, c'est stylé, mec, comme endroit. J'aime beaucoup les graphismes du jeu. L'aventure commence maintenant, les amis. Alors, c'est assez compliqué à bouger, je vais pas vous mentir. Mais je crois qu'il faut que je passe par là. Yes! Il y a des passants et tout en bas, mec. Ils vont rien voir, les passants. On va tout faire sans que personne nous voit. Oh là là, c'est trop joli comme endroit. Ouh! Tout va bien. On se rapproche. Il faut que je continue là-bas, vers sur les toits. J'ai l'impression que je suis en train de jouer à Assassin's Creed. Merde! Je suis mort. Je suis mort. Ok, alors il faut vraiment que j'arrive à ratterrir sur le tapis. C'est très important parce que là, je viens de faire une chute, mec. Si mon poisson, il est plus dans son bocal, il peut plus respirer avec ses bronchies. Ah! Oh! Ok, tout s'est bien passé. Je crois que j'allais encore tomber. Allez, on s'enfuit du Pet Shop, ciao! Bon, j'ai vraiment l'impression, mec, que la ville, elle a été créée pour que je m'enfuis. Hein. Tout est disposé pour que je m'en sorte. Oh, je me suis pas pété la gueule, là. Voilà, je vais me péter la gueule, là. Oh! Ok, l'herbe fait que t'arrives à t'en sortir aussi. J'ai peur. Ah, ok, tout va bien. Mec, on se rapproche tellement, je vais tellement vite, je vais mourir. Oh my god. Ah, mon bocal, il commence à se péter petit à petit, malheureusement. Allez, Tim, on le fait ensemble, frérot. Arrêtez de me faire peur comme ça, s'il vous plaît. En tout cas, si vous kiffez ce let's play, ce petit jeu, faites-le moi savoir en explosant cette barre de pouces bleus, car il y a plusieurs parties à faire, plusieurs niveaux. Et notre but aujourd'hui, c'est de terminer le niveau 1. Ouh là là, je vais trop vite. Tout va bien. Si je descends par là-bas, est-ce que je prends un risque? Parce que là-bas, on voit qu'il y a un coquillage légendaire. Ok, tout va bien. Mon cristal va se péter, mais tout va bien. J'ai l'impression qu'il me reste plus qu'un point de vie. Les poteaux, j'arrive! Piranha et poisson volant, je suis là! Attendez-moi pour le barbecue, les refs! On regarde à gauche, on regarde à droite. Balance-toi, ma gueule! Vas-y! Vas-y, t'es un homme! Allez, Timmy! Tu le fais! Oh! Timmy! Non! Timmy! On a fait du poisson pané. T'inquiète, frérot, ok? Tu vas le faire. C'est juste que ta nageoire, il faut que tu tapes en plein dedans, d'accord? Vas-y, à 2000%. Let's go. Y'a pas de caisse, vous êtes aveugle. Oh putain, celle-là, j'aime la prendre. Non, ok.
Ok. Vas-y, vite. Ok, let's go. Je crois qu'on a réussi, les gars. Ah, mais si un passant me voit, il va me récupérer. Ok, non, saute dans l'eau. Tourne. Saute dans l'eau. Perds pas de temps. Let's go. Vous avez reçu votre corps 4 étoiles sur 5. Réapparition 3. Allez, on continue, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, mais merde, mais là, comment moi je vais m'en sortir en fait? Parce que bon, je suis un poisson, ok, je peux bouger mon bocal, mais le péter, on va le rapporter. Il faut le cacher pour que papa et maman le trouvent pas. Oh merde. Oh, le gosse à tête à claque. Oh, il nous a ramené tout là-haut dans la ville. Alors toi, mec, tu veux jouer à ça? Unchain met sa casquette à l'envers. On est reparti pour le tryhard. Punaise. Donc là, en fait, il nous a caché dans le grenier pour pas que ses parents remarquent qu'il a trouvé un poisson. Hein? Tu sais même pas que je m'appelle Timmy. T'en fais pas, frérot. Je win en faisant zéro mort, tu vas voir. Alors, il y a une échelle là. Je pense que j'ai une idée. Je vais tenter de pousser l'échelle avec mon bocal. Comme ça. Oh, mais ça fonctionne. Wesh. J'ai pété la vitre. Mais le poisson, c'est un surhumain, mec. Le poisson doit faire 2 grammes. Il a poussé une échelle en fer qui fait peut-être 50 kilos. Allez, vas-y, tu le fais. Tranquillou, frérot. Nice. Doucement, doucement. Mais non, mais hey, la maison, elle a été construite pour moi, frère. Oh. Ok, là, il y a un mec. Alors, j'ai l'impression vraiment que les passants et tout doivent pas me voir. C'est très important. Mais sinon, ils me récupèrent, je suis baisé. La famille est en train de faire des petits travaux sur la maison. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'étages comme ça. Et je crois, il me semble qu'il y a un trampoline en bas avec un petit étang. C'est parti. Hop là, home run. Oh, je suis pas mort. Je suis pas mort. Ah, il faut que je passe par là, je crois. OMG. Ah, ça, c'est les toilettes de Nemo, ça. On reconnaît. Oh, merde. Il va falloir vite se dépêcher parce que là, je suis mélangé avec du pipi et du caca. Oh, fais gaffe. Non, rentre pas dedans. Non. Je suis rentré dans un... Je peux pas sortir. Mais d'où je suis mort à cause d'un verre? Putain, pourquoi vous jetez les verres par les toilettes, les gars? Ok, alors touche à rien, touche pas. Putain, il y a des trucs dégueulasses dans l'eau, frère. Allez, on va vite remonter à la surface. On va tenter de faire un saut. Hop là, bien joué. Il y a beaucoup de déchets là avec un courant. Oh, faut que je passe de l'autre côté. Ok. Bien joué. Lola est pas très haute, hein. Mais il a l'air d'avoir un trou ici. Vas-y, rentre. Nice. Ok. Peut-être que je m'en sors. Mais on sait très bien que l'eau des égouts va où? Dans l'océan. C'est dégueulasse, hein. Quand vous baignez dans l'océan, dites-vous que faites attention de pas faire ça à côté de sortie d'égout. Ça peut être vraiment pas ouf. Ah, on n'a pas encore fini. On va continuer vers là-bas. Là, il y a un petit trou. Et là, il y a une cage. On va aller au petit trou. On a la chance d'être un petit poisson timide. Ah ça, frérot. Heureusement, c'était pas le poisson ballon. Oh, je suis bloqué. Non, ouais. J'ai atterri dans un seau de nettoyage. Oh, il y a un monsieur là-bas. C'est lui qui est en train de nettoyer. Ok, mec, passe à gauche. Il faut pas qu'il te voie, mon gars. Il faut pas qu'il te voie. Ok, il te voit pas, mec. Chill. Va à gauche. Dans quelle merde on s'est lancé, frérot? Hein? Il nous a vu? Tranquille, mec, il nous a pas vu. Tranquille, mec. On va devoir passer par le parc, ok? T'es aveugle! Passe à gauche. Vas-y, cours! My pocket! Non, y a pas ma baguette là! Je m'enfuis, t'es lent, mec! Regardez comme il est lent! Vas-y, run pour ta vie! Timmy, tu le fais! Va à gauche! Oh putain, il court de ouf! Dépêche-toi! Arrête de prendre des cailloux! Don't make me run! Ah! Il est là, ça j'ai. Ah, je suis une merde! My pocket! Ferme ta gueule! À droite, y'a des cailloux! À gauche! Don't make me run. Oh putain, ça va vite! Oh my god! Y'a un lac! Un plan d'eau! My pocket! Allez, chez! Let's go! 22 222 likes pour la partie 2. Parce que là, bon, on est dans un sorte d'étang, mais on n'est pas encore arrivé dans l'océan. J'espère que le jeu vous a plu. J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Et je trouve, en vrai de vrai, j'ai kiffé. Et j'espère qu'on aura kiffé ensemble. Je vous fais des gros bisous, les amis. Si t'es nouveau à la chaîne, abonne-toi dès maintenant en activant la cloche. Et si tu peux juste cliquer ici, tu vois la dernière vidéo. C'est une masterclass. Geeky comme des porcs. C'était une chaîne. Ciao, bye. C'est meilleur.